chargé des anciens combattants et de la mémoire. En ce 8 mai 2015, la France commémore le 70e anniversaire de la fin des combats de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Ces combats avaient commencé près de 5 ans auparavant. 5 longues années de privation, de souffrance, d'exaction, de massacres durant lesquels l'Europe fut mise à feu et à sang, sous le joug nazi, des populations asservies, d'autres exterminées. Aujourd'hui, la France se souvient de toutes celles et de tous ceux qui ont souffert. Des familles condamnées à quitter leur terre, des victimes des bombardements, des prisonniers de guerre, des internés, des déportés.
insistant. Mais pour ça, faut du cœur et un mental de résistant. Comment exprimer ce que la vie m'inspire, ce qu'elle nous suggère et ce qu'elle respire? Ce moment d'obscurité qui met en lumière nos fissures. L'ambiguïté en entonnoir, la nuit fait peur, la nuit rassure. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle influence nos cerveaux. Prends pas de grandes décisions la nuit. Je sais jamais ce que ça vaut. Tu te sens pas bien? 12-8. C'est bien ce que je disais, vous ne changez pas, femme. Il y a des signes qui ne changent pas. Tenez, rangez-moi cet appareil. Grâce à vous, je n'en ai plus besoin. Si attention, monsieur s'améliore, c'est que monsieur Guéry. Oh, détrompez-vous. Je suis un homme foutu. Ne dites pas ça, monsieur. Vous sous-passez votre courage, votre vitalité. Je me suis trop donné dans le travail. Le moteur a calé. Il ne reprendra plus. Allons, allons. Un PDG comme monsieur, que tout le monde appelle l'empereur du fromage, ne doit pas se décourager. Prenez exemple sur Napoléon. Vous faites bien de me comparer à Napoléon. Lui était exilé à Sainte-Hélène et moi je le suis ici à Biarritz. C'est étrange comme nos destinées se déploient. Papote gaiement. On entend quelques bruits de mouettes, de cormorans. On fait la queue aux boutiques pour acheter des poissons et des crêpes. On se prépare pour fêter la Sainte Chanchant. En décor, on aperçoit le phare de Minéonnet et sa justice. Silence ! Silence ! C'est les pleurs des actualités. Silence ! On va passer à la télé. Merci Joël, merci Joël. Depuis que Ménil est rattaché à la Bretagne, c'était un changement climatique, signe de beau temps.
Allez, 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 allez